C'est là que j'ai commencé à danser. La Défense, la Def. Tous les dimanches, je venais m'entraîner là-bas. Attends, je vais le mec qui a pas la caméra. Tu pouvais croiser des mecs comme Icy, Jean Pop, Yuval. En fait, lui, il a 16 ans, mais il a 30 n'importe qui. Même si vous en avez 30, ils sont ou même Pecos des Enfants Perdus. Je me souviens, le sol était en marbre, c'était magnifique. C'était un nouveau monde pour moi. Un monde où je voyais les gens créer dans la rue normale. Je découvrais le funk, le rap, la house. Je voyais mes premiers battles de break. Je me souviens quand j'avais vu Pecos contre Arthur. J'avais du mal à filmer tellement il y avait de monde. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans le cercle pour que les gens hurlent comme ça? C'est à Châtelet que j'ai compris les enjeux. En dessous du cinéma UGC des Halles. Je me souviens des centaines de personnes qui étaient venues déterre assister au plus gros battle de l'époque. Benji contre Junior. En voyant la tension extrême entre les deux danseurs, j'ai capté que c'était ici le cœur de la danse en France. J'ai mis du temps avant d'oser danser à Châtelet. J'ai d'abord observé les anciens. Je me souviens, Jean Pop me forçait à danser devant la caméra pour que je me décoince un peu. Hey, je te filme là. Là, je dois avoir 17 ans. Air Force One aux pieds, petit bonnet moulant. Si tu regardes bien, j'ai même une fausse boucle d'oreille. Le style des années 2000, quoi. Fais du Mapuka. À l'époque, on filmait surtout pour revoir nos mouvements après l'entraînement. La caméra, c'était comme un miroir pour qu'on puisse se corriger. Là, c'est ma première scène. Je suis le seul de mes potes qui sait pas rapper, du coup je danse. C'est un pote qui filme, mais il est pas très attentif. Narfadji, tu passes quand ton BEP? Moi, je suis pas allé. Ah, t'as pas été? Je partage la scène avec Youssef, Franck et Momo l'Égyptien. Les stars, c'était les rappeurs parce qu'ils portaient un message. Moi, j'avais un peu l'impression d'être muet. C'est dans les battles que j'ai pu trouver ma voix. J'ai pu redresser mon dos courbé. J'ai pu arrêter de regarder les boutons sur mon visage. C'est là que j'ai trouvé une vraie famille. Ça va faire 10 ans maintenant que j'ai quitté le milieu de la danse. Je sais pas trop pourquoi je suis parti. Peut-être que j'avais envie de trouver un métier plus stable. Peut-être que j'étais saturé de tous ces battles. J'avais l'impression d'avoir fait le tour à un moment donné. Mais putain, qu'est-ce que ça me manque. Puis y a pas grand-chose de cette époque-là. Y a que des souvenirs fragmentés. Quand je cherche des vidéos de moi sur Internet, y a juste des battles, ou bien une scène où je danse à côté d'IAM. En 80, c'était des états de fait. Mais là, ces journalistes ont fait des états. C'est pas super simple de laisser une trace quand t'es danseur. On va pas se mentir, on est un peu derrière les autres arts. On est derrière les chanteurs sur scène, derrière les acteurs dans le cinéma. Bref, derrière. J'ai beau avoir plein de cassettes dans mes cartons, tous les plus beaux moments de danse, ils n'existent plus. Soit les cassettes, elles sont usées, ou soit j'ai loupé le bon moment. La danse, ça s'efface trop vite. J'ai décidé de filmer les danseurs d'aujourd'hui. Je voulais que leur histoire reste.
Le 104, c'est le nouveau lieu où les danseurs hip-hop viennent s'entraîner à Paris. Ils se préparent pour leur premier battle. Là, je suis dans le 10e arrondissement de Paris, dans une MJC qui abrite un de ces battles. Je vois la pression qui se dessine sur les visages, la tension qui monte dans les corps. Alors, j'annonce Sosa contre Zimane. Oz contre Nesty. Akuma contre Skinny. Et Lila contre Akire. Un battle, c'est simple. Tu dois danser contre un autre danseur de ta discipline, mais tu sais pas sur qui tu tombes, ni sur quels sont. Personne veut commencer parce que la foule se souvient toujours du dernier à être passé. Ce qui est important, c'est de pas être déstabilisé par le regard de l'autre. Au moment où tu rentres dans le cercle, tout va très vite. À peine tu commences que c'est déjà fini. En danse, il y a plus que les formes qu'on dessine avec nos bras. Il y a plus que la façon dont on cale les pas sur le rythme. Le plus fort, c'est les histoires qu'on raconte. Battle, c'est surtout l'occasion pour les crews de représenter leur drapeau. Chaque groupe vient défendre son style. Aujourd'hui, un des crews les plus présents dans les battles, c'est les Sarcellites. Je raide avec Cosny dans Sarcelles, un des membres actifs des Sarcellites. La Sarcellite, c'est une maladie. En gros, c'est quand tu te sens mal, quand tu es à l'extérieur de ton ghetto, de ton endroit. Donc en gros, c'est-à-dire que nous, dès qu'on sort et dès qu'on est à l'extérieur de notre ville, de là où on a grandi, et pas entouré de notre famille, de notre cocon du ghetto, on se sent mal, quoi. Donc dans cette nouvelle scène, il n'y a pas de groupe fort en tant que groupe, vraiment en tant que un groupe vraiment qui a grandi ensemble et qui a tout fait ensemble, tu vois. Yo yo yo, Cosny Sarcellite, accompagné de toute ma famille derrière moi. Donc j'ai un petit message à faire passer à tout le monde. Bientôt il va se passer un truc de ouf. Un truc de ouf. J'ai vu aucun groupe le faire, aucun. Celui qui va me dire non, mais en 1932, aucun groupe l'a fait. On va être les premiers à le faire, on va être les derniers à le faire. Préparez-vous, ça peut tomber sur n'importe qui de vous, n'importe qui de vous. Préparez-vous, parce que nous, le moment où on va le faire, on sera prêts.
Je découvre la salle des Sarcellites, là où ils préparent toutes leurs nouvelles phases. Ils dansent comme moi le hip-hop new style, une danse née à New York dans les années 90. Ça fait plaisir de voir en 2016 un crew qui est comme une famille. Ça fait longtemps maintenant que j'ai quitté la danse. À l'époque, moi aussi, j'avais une famille. Quand je vois les Sarcellites, ça me fait penser à mon crew, Section C. Ceux qui m'ont pris sous leur aile. Ceux qui m'ont donné les clés de l'improvisation. Je me souviens, on passait notre vie ensemble. Les clubs au battle, on se lâchait pas. Je pense à Paul Erek, Fice, Iso, Cédric, Francis, Liven, Brieux. Il me manque trop. Je me souviens, quand je suis rentré dans le crew, j'étais trop content. J'avais l'impression d'être pris par les Chicago Bulls. Section Showtime, c'est un des premiers battles chorégraphiques en France. C'est là où les écoles de danse viennent s'affronter. J'ai une émotion particulière pour cet événement parce que c'est là où j'ai dansé pour la première fois avec mon crew, Section C. Section C, c'est un crew né en 1990 et parrainé à l'époque par des rappeurs comme Stalgy ou MC Solar. C'est grâce à Francis et JD que le crew a perduré pendant 20 ans. En 90, ça fait, on avait dit, durant moi j'avais 19. 19, moi je devais en avoir 20, 22 à peu près. Ouais. T'as quel âge toi? Là j'ai 39. Là j'ai mes 39. C'est ça, comme je suis plus âgé, je dois avoir 20 ans ou 22. Ouais. Chaque groupe avait son style d'habillement, de danse. Lui c'était Sarcelle, lui c'était Atomic Breaker. Après, à un moment donné, on avait des tenues, c'était genre des costards en lin. Dans des chaussettes, mais avec genre des siacs, tu vois. Siacs, ouais, mais chacun avait sa couleur, lui, bleu, vert, avec des... Vraiment, c'était des trucs de ouf. Vraiment, c'était vraiment une empreinte de dingue qu'on mettait. Les boîtes, elles étaient blindées. Ouais. Vous pouvez pas vous imaginer le tout blindé. Ouais. Blindé, mais blindé, blindé. Mais quand je sais, il n'y a ça, pas de place, alors. Si, les gens faisaient la place. Eh, mais quand nous, on dansait... Les gens s'écartaient. Les gens, évidemment, ils s'écartaient. S'écartaient. Les gens qui dansaient sur 4 temps. On dansait sur un temps. Sur un temps. Deux fois, des chorégraphies, ça faisait ça, un temps. Ça se ressemble. Il n'y avait aucun pas qui se ressemblait. Les gens, ils dansaient toujours comme ça. Comme ça. Tac, tac. Un, deux, trois, quatre. Un temps. Moi, j'ai pas connu les années 90. Je suis rentré dans le crew en 2005. Danse en boîte sur les sons de Jay Dilla. Je me souviens des soirées, c'était le feu. C'est dans les soirées que j'ai rencontré les gars de Section C. Je me souviens, c'était comme une famille pour moi. Je les voyais plus que mes parents. C'est la section, ils sont venus à la maison, ils ont kidnappé chez moi, je me retrouve à faire à manger. Là, je suis avec Cédric, Paul Erek et Fice. On regarde les vraies cassettes de notre crew. 96 ! On sort les dossiers. Il reste peu de vidéos de notre groupe. Chaque image vaut de l'or. C'est Picasso technique de Francis. Double punch, je fais appel de l'air. Je sors la rotule, je tourne. Bah, je repousse, tac, 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 tac. Et après là, c'est... Notre roue s'est un peu fragmentée avec le temps. On a tous fait d'autres tafs, on a commencé à s'entraîner chacun dans notre coin. C'est dur quand t'es pas porté par la voix de tes frères. Fice a été un de mes tontons dans la danse. On a porté le t-shirt Section C avec ferveur ensemble. De cette époque des années 2000, c'est peut-être lui qui a le plus de souvenirs. Je me
de sortir décoré de, ouais, de, du spectacle, je te jure, je m'en rappelle. Tac, 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 bam. C'était un truc de ouf, c'est parce qu'on était tous comme ça et on était, comment dire, ouais, voilà, c'est, tu sais, c'est, comment dire, pas écorché vif, mais on était tellement dans le truc que, voilà, quoi, tout était amplifié, en fait. Ça, si bien que même les chorés qu'on faisait, c'était plus que des chorés, tu vois, c'était, c'est des classiques, quoi, voilà. Pour moi, c'est des classiques, que ce soit section, boogie side, franchement, pour moi, les chorés que j'ai dansé, je les ai tellement kiffés dans mon corps, c'est classique. En suivant Faïs dans son travail, je me rends compte de ce qui a pu me faire peur dans une carrière de danseur. Là, je l'accompagne à Orléans. Je me rends compte de la difficulté de faire un solo. C'est la solitude, littéralement. Ah, ok, mais coupe, 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 coupe. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Ok, on la refait. Vas-y, balance, balance, là, c'est bon. Ok, un, un. À 38 ans, Faïs a déjà bien roulé sa bosse dans le métier. Il a bossé pour des grandes compagnies, il a gagné les plus grosses compétitions. À force de faire des battles, Faïs a eu l'impression de s'enfermer, de plus être tourné vers le futur. Il en a eu marre de montrer toute l'étendue de sa technique, de devoir tout le temps être impressionnant. Sa pièce parle de ça, d'un danseur qui craque à force de devoir être le meilleur. Si t'as pas la technique, t'as rien compris. Le hip-hop, c'est ça. Technique, mec. H-Y-M-X. Tu connais ? Ah, nu. H-Y-M-X, en dedans, en dehors, encore. Hey. H-Y-M-X, c'est facile. Dedans, dehors, hey, tu croises, encore. H-Y-M-X, en dedans, en dehors, encore. Eh hey, ouais, tu pratiques, encore. Tu fais ça matin, midi, soir, encore. Encore, papa, encore, encore. Ouais, ouais, encore. Tu qui ? Ouais, encore, 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 encore. C'est pas moi. C'est pas moi. Tout ça là, c'est pas moi. Le Juste Debout, le JD. À cette époque, les présélections, ça se passait à l'Hôtel de Ville de Paris. C'était la classe. On a à peu près 200 danseurs à participer dans ma catégorie. Là, c'est à moi de danser. J'ai 30 secondes pour tout donner. J'ai pas été pris cette année, j'avais la haine. J'avais une sacrée coupe aussi. Mais du coup, j'ai pu prendre le temps de regarder les autres danseurs. C'est la première fois que je voyais le taf de Marvin en live. J'avais l'impression d'avoir 8 ans et demi, comme quand je regardais Dragon Ball Z. Le gars réussissait à arrêter le temps. Ah, ah, ah.
voyant cette vidéo sur Internet que Madonna décide de bosser avec lui. À partir de là, il y a tout qui s'accélère. Mais comme une Rosta, deux caméras, ouais, mon frère. Ça défonce. Mais genre, il se passe rien. Mais... Quand je capte Marvin à Hong Kong, il est à la fin de sa deuxième tournée Madonna. Il a bossé sur la pub Dior avec Rihanna, il a rencontré Dre. C'est bon, pour moi, le mec est au top. Mais quand je le vois, il est déjà en train de penser à la suite. Il pense à son retour à Paname. On parle de l'époque de RAF son crew. De style de ouf, de 1000%. On parle des grandes figures avec qui on a pu échanger dans les cercles. Des gens comme Yuxon, Marion, Kirikou, la liste est trop longue. On parle des chorégraphies qui l'ont fait connaître. Dis-moi. Dans une pente, si je fais ça, que la caméra, elle pivote avec moi, en fait. Ok. Le truc, c'est qu'il faudrait que tu prennes la caméra. Non. En fait, toi, t'es là. Tu filmes en mode normal. Et je fais ça. Et je fais ça. Et la caméra te suit. Et la caméra, elle me suit. Tu vois. Après, je danse. Et dès que je bouge mes mains, la caméra, elle part, tu vois. Donc, je commence doucement. Le premier, je l'ai fait doucement. Après, je fais rapidement. Direct. Direct ? Ouais. Et je vais essayer de te suivre. Je sens que Marvin est pressé de rentrer chez lui. Il veut prendre le temps. Il veut prendre le temps de se casser la tête à trouver des nouveaux effets. Ça m'a mis une vraie disquette de croiser Marvin en pleine tournée. Des fois, je me dis que j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai eu peur d'emprunter une carrière de danseur. À un moment donné, j'ai décidé que je gagnerais pas ma vie avec la danse. Mais en vrai, j'avais peur de cette vie d'aéroport et d'hôtel, de répétitions sans fin. J'avais peur que mon corps me lâche d'un coup et que je puisse plus travailler. À chaque fois que je montais sur scène, j'avais l'impression que j'allais mourir. J'ai quitté la danse pour faire des études de cinéma. À la fac, j'ai rencontré ceux avec qui j'ai fait mes premiers films, le collectif Akranga, une vraie équipe. I can do some shuffling too. Look out, man, what you gonna do? Look out, boys, it's coming through. Yeah, man, yeah, man. À la fac, j'ai découvert des films géniaux comme Stormy Weather ou Top Hat. Moi, je voulais faire un film dans ce style. Mon rêve, c'était de remettre la comédie musicale au goût du jour. Mais avant de pouvoir faire ça, il a fallu que j'apprenne le métier. Pas trop loin non plus, mais... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il va leur dire de... Ouais ! On perd du temps comme ça. On s'en fout, on aura plus de lumière. Vas-y. Mais toi, ce que je veux dire par là, Raph, c'est qu'il faut que tu sois à un mètre de moi à chaque fois, c'est tout. Eh, lance l'action là-bas.
T'es où toi, monsieur le président? T'as les garrots, Antoine? Tu raquettes? Rien? Tu viens? Ouais, attends, moi je suis pas là-dedans. Moi ça. Vas-y, ça tourne! Est-ce que ça tourne? Ouais! Séquence A, plan de fin, prise 1. Action! Je me suis retrouvé stagiaire sur un long métrage américain à gros budget. Un film de danse. Actuellement, au Japon, en Corée, en France, en Russie, des gars de tous les pays veulent gagner le battle de l'année. C'est ça que je veux voir. Mon taf, c'était de ramasser les fringues sales des danseurs. Une bête d'ambiance. J'avoue, ça m'a un peu calmé, ce stage. J'étais trop loin de l'action. J'ai repris la caméra DV et j'ai filmé sans savoir ce que j'allais faire. Ce que tu veux. News Times. Oh. Au début, j'avais peur de filmer des acteurs. Des gens que je connaissais pas. C'est pour ça que j'ai filmé mes potes. J'ai filmé les premiers freestyles de JNR. J'ai filmé les premiers lives de Kirikou et Dahlgren. J'ai commencé le montage. Au début, j'avoue, j'avais la tremblotine. Je pouvais pas m'empêcher de couper les plans pour dynamiser. J'étais dans la culture du clip. Je voulais faire danser les images. Mais du coup, c'était un peu épileptique. Super joli. Avec Endo, j'ai pu prendre le temps. Je l'ai filmé au moment où elle commençait à chercher une nouvelle gestuelle. Au calme. C'est bon là, c'est charmé. Ouais. Ça défonce. Ah ouais? Un truc de ouf. Non, sérieusement, mais je me suis niqué en fait. Je suis parti aux Antilles étudier la technique K avec Lena Bloom. Mais les danseurs qui m'ont le plus bouleversé jusqu'à aujourd'hui, c'était les toxicomanes. Parce que c'est drôle, c'est comme s'ils avaient ce truc de « Vas-y, je suis déjà mort, donc je peux expérimenter mon corps jusqu'au bout. » J'ai mis du temps avant d'arriver à la filmer. Au début, je coupais toujours ses gestes au mauvais moment. Je me rendais pas compte qu'en coupant, je perdais tout. En la filmant dans la durée, j'ai compris qu'un film était en train de naître. La confiance qu'elle m'a donnée m'a encouragé à filmer d'autres danseurs, ceux que je connaissais pas. J'ai lâché l'idée de la comédie musicale. Que du réel, c'est mieux. Dexter, c'est un danseur qui vient du Liberia. Je l'ai rencontré à Paris quand il est venu participer au E-Lest, le plus gros événement de crump en France. C'est avec lui que j'ai découvert le crump. Mais quand je le filme là, je le connais pas encore. Il fait froid, on est à la chapelle, et je filme parce qu'on n'a rien d'autre à se dire. C'est Roudia, une pote de Dakar, qui nous a présenté, mais j'avoue, ce soir-là, je suis KO. C'est toujours quand je veux pas filmer qu'il se passe quelque chose. Dexter m'a tiré à Porte de Montreuil au D4,
Je sais pas vraiment où j'ai mis les pieds. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Je me dis qu'il n'y a pas assez de lumière pour faire de belles images. Les danseurs sont éclairés au téléphone et j'arrive pas à entendre le son tellement ça crie fort. Je connais pas bien cette danse. Je connais pas les mouvements qu'ils font, mais quand Dexter rentre dans le cercle, je suis choqué. En voyant danser Dexter à Porte de Montreuil, je me dis qu'en fait, c'est pas possible de quitter la danse. Le gars m'a réveillé. Je me filme dans ma chambre comme à l'ancienne. Faut que je voie si j'ai pas tout perdu. Je tente de retrouver ma danse, de ressusciter des pas que mon corps a oubliés. On peut dire que j'ai pris un sacré coup de vieux. J'ai beau forcer, j'y arrive pas. J'ai toujours les pas, mais j'ai perdu le feu. J'avoue, ça aide pas de regarder des vidéos sur internet. Je me prends des pressions en regardant Nelson, Green Tech, Anaïs. Les danseurs debout en 2016 sont trop chauds. Je préfère regarder les vidéos de break. C'est une danse que j'ai jamais su pratiquer mais qui m'a toujours fasciné. C'est les vrais samouraïs de la danse. Ceux que j'ai vu le plus se buter à l'entraînement. Et là, je tombe sur une vidéo de Saïdo Darwin. Ça allait trop vite, faut que je remette son passage. Je connais pas Saïdo. On s'est juste croisé à l'époque à la défense quand il faisait des battles avec son crew. Bad trip. Comme moi, Saïdo a vécu des moments de danse légendaires. Des mecs de mon crew, je peux te citer des tas de battles qu'ils ont fait.
en un contre un contre des breakers, mon frère, je te dis, tous les mecs de Skills Method, Lamine, Mounir, Lilou, enfin, tellement de gens qu'ils ont pris en battle, mais il n'y a pas de vidéo. Parce que ça se règle en 1-1, dans le bon délire, viens, on va se fider jusqu'à qu'on n'en peut plus. Sweet, il a pris Abstract, il a pris Lamine, il a pris, enfin, il a pris des blazes, c'est impensable, tu vois. Et juste comme ça, tu vois, à la cool. C'est-à-dire, ouais, ça va, j'aime bien ton break, ça te dit, on se fait un échange jusqu'à qu'on n'en peut plus. Vas-y, c'est parti, tu vois. Quand je le capte à Créteil, il bosse sur sa première création de groupe avec Johanna. En les filmant, je me rends compte de la difficulté de fixer des moments d'improvisation sur une scène. Saïdo et Johanna ont une grande technique, mais c'est davantage sur les énergies qu'ils veulent bosser. Nécessaire pour être exigeant et toujours penser à l'étape d'après, ouais, toujours penser à la précision et au perfectionnement des choses, et, mais pas spécialement perfectionner, c'est-à-dire mettre au propre, mais plus dans la manière dont on veut amener les choses, dans la manière dont on vit les choses. Parce que là, on structure énormément, mais on ne sait pas comment on va les vivre de l'intérieur, tu vois. Dans leur travail, il y a une sincérité qui me touche. Je me dis que c'est ça la clé pour retrouver ma danse. Peu importe la technique, il faut que je puise à l'intérieur. Ce qui me manque pour finir ce film, c'est que j'y engage mon corps totalement. Il faut que je sorte de chez moi. Il faut que je danse devant un public. Il faut que j'expérimente la scène à nouveau pour pouvoir en parler. Je participe pour la première fois au I Love This Dance, un événement qui met les danseurs au premier plan. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas monté sur scène. Je regarde les autres danseurs en attendant mon tour. Là, il y a S qui est en train de danser. Je suis un peu jaloux parce qu'il a pris mon son préféré. Et en plus, il fait un passage magnifique. Pas super simple de danser après un passage aussi fort. Raphaël. Au moment où je rentre sur scène, j'avoue, j'ai la pression de ouf. Il y a toute ma famille dans la salle. Il y a même ma grand-mère.
Personne ne le sait dans la salle, mais quand je suis en train de faire ces pas-là, je suis en train de rendre hommage au premier danseur que j'ai filmé dans ma vie. Je rends hommage à Christophe, celui qui m'a appris à danser. Je me souviens, c'était un tueur à gages. Là, je suis en train de le filmer, mais je sais pas que c'est le seul passage de danse qui me restera de lui. Comme un con, j'ai enregistré une soirée par-dessus. Je fais un zoom, mais ça sert à rien du tout. J'ai une de cette vieille coupe. Je filme la danse depuis que j'ai 16 ans. Très tôt, j'ai eu la chance de traîner avec des virtuoses. Ils étaient là, juste à côté de moi. Malheureusement, j'en avais pas conscience à l'époque. C'est comme Loops, un des meilleurs danseurs que j'ai vu dans ma vie. En regardant les images du Trocadéro, je découvre que j'ai effacé la moitié de son passage. J'ai enregistré le clip de rap de mes potes par-dessus. C'est bon, là. Ça fout la haine de ne pas avoir la trace de ces génies. De savoir qu'on n'est pas nombreux à se souvenir de leurs pas. Je crois que c'est à cause de ça que j'ai voulu faire ce film. Je voulais rendre hommage à ceux qui m'ont donné le courage de monter sur scène. Mais à force de filmer des kilomètres, je me suis rendu compte à quel point c'est dur de filmer la danse. Quand je regarde mes images, je suis dégoûté de ne pas avoir pu saisir la grâce des danseurs qui m'ont bouleversé. Je me dis qu'il n'y a pas la place dans un film. Les danseurs qui me touchent ont ça en commun de déborder du cadre, d'échapper tout le temps à l'objectif. J'ai retrouvé Marvin quand il est rentré à Paname. Je l'ai filmé avec les enfants prodiges. Que des gars qui se sont rencontrés dans les battles et qui ont décidé de monter un nouveau crew ensemble. Je les ai suivis pendant des jours, mais le soir où ils ont dansé contre les Sarcellites, j'étais pas là. On a un message à faire passer. Un message simple, clair et net. Enfants prodiges, on vous veut en 1000%. Les deux crews ont dansé face à face sur un parking à 4h du matin. Ça a choqué tout le monde sur le net. La vidéo est crade. On dirait qu'elle a été exprès mal filmée. À l'heure où tout passe par l'image, les Sarcellites et les enfants prodiges ont décidé de rien montrer. De garder ce moment pour eux. Je me rends compte que je pourrais jamais retranscrire l'intensité de ces moments-là. Et c'est pas plus mal de toute façon. C'est comme ça que les légendes naissent. Finalement, je trouve ça beau qu'il reste que nos pas. Jamais l'âme de nos mouvements. Dans tous les cercles que j'ai vus, les corps viennent toujours se mettre devant la caméra. On dirait qu'ils protègent les pas de celui qui danse. On dirait qu'ils protègent le feu pour pas qu'il s'éteigne.